Pierre Palmade verrait-il enfin la lumière au bout du tunnel? Hospitalisé à la suite de son accident du 10 février, il est passé de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif au CHU de Bordeaux et travaille maintenant sur sa sobriété. Le comédien lutte contre de nombreuses addictions, parmi lesquelles celle à la cocaïne. Dans « Dites à mon père que je suis célèbre », l'ancien partenaire de scène de Michel Larocque révélait avoir expérimenté ses premiers déboires avec la drogue dès la vingtaine. Pierre Palmade a, tout au long de sa carrière, tenté de guérir ses démons en alternant les planches et les centres de désintoxication. Sans grande réussite. Cependant, cette fois-ci, quelque chose a changé. Depuis quelques semaines, il me semble serein. Il est même souriant, très sympa avec le personnel, a confié une source à Voici. Cette fois-ci, il semble sincèrement vouloir s'en sortir. Il refuse même les cigarettes qu'on lui propose, car il sent que n'importe quel produit pourrait le faire replonger. Le souvenir de cet horrible accident, qui a gravement blessé un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur âgée de 27 ans, qui a perdu l'enfant qu'elle attendait dans la collision, hante toujours le comédien. Après les faits, des analyses ont montré que l'ancien époux de Véronique Sanson était sous l'emprise de cocaïne et de drogue de synthèse au moment de la collision. Aussi, Pierre Palmade cherche-t-il à s'éloigner de ses douloureux souvenirs, lui qui est toujours poursuivi pour homicide et blessures involontaires. Supérieur à supérieur à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vieux allié inattendu alors que certains amis proches de Pierre Palmade lui ont tourné le dos, parmi lesquels ses consoeurs humoristes Michel Larocque et Muriel Robin, le comédien a renoué des liens avec sa mère, Rianne, alors qu'il ne s'était plus adressé la parole depuis des années. Des différends survenus dans l'enfance du jeune Pierre et l'éloignement de ce dernier lorsqu'il a déménagé à Paris ont achevé de geler les relations mère-fils. Mais à la vue des dernières actualités, Rianne n'a pu s'empêcher d'appeler Pierre Palmade, comme le révèlent nos confrères de Voici. Il reste à espérer que sa mère saura trouver les mots et la patience de guider son fils dans cette nouvelle bataille contre ses démons. Article écrit en collaboration avec Cimédia Crédit Photo, Coadic Guirec.